En Égypte, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle a été annoncée ce jeudi par la commission électorale. Ils sont 13 à pouvoir briguer le poste suprême le mois prochain. Parmi eux figure Ahmad Shafik, le dernier chef du gouvernement d'Hosni Moubarak. Le nom d'Ahmad Shafik avait été écarté mardi puis réintégré mercredi.